Hello les amis, ici Olga Mbani, auto-entrepreneur web et votre consultante business. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment gagner 1 euro chaque jour juste en visitant des sites web et en likant, en s'abonnant à des chaînes YouTube, en likant des pages Facebook. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 euro par jour. Alors on va se diriger vers PC pour vous montrer comment ça va se passer. Bonjour, bonjour. Je suis Olga Mbani, auto-entrepreneur web. Je vous présente aujourd'hui le site PicoWorker qui vous permet de gagner de l'argent en ligne 1 dollar en moyenne par jour. Grâce à des petites tâches comme visiter des sites web, souscrire à des chaînes YouTube, liker des pages Facebook, etc. Alors, je vous mets le lien en description pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Aussi, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour m'encourager et de liker la vidéo pour que je puisse, n'est-ce pas, encore publier d'autres vidéos de ce genre. Maintenant, quand vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous allez juste cliquer sur « Sign up ». Ensuite, vous allez être dirigé vers la page « Formulaire d'inscription ». Vous allez être dirigé vers la page « Formulaire d'inscription ». Une seconde, je vais switcher de connexion Internet. Voilà. Donc, juste le temps de changer ma connexion Internet. Bref, voilà, lorsque vous allez souscrire, cliquer sur Sign Up, vous allez être redirigé vers une page. Sauf que moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur Login. Aussi, je vous recommande, si vous ne comprenez pas anglais, je vous recommande d'activer Google Translate sur votre navigateur pour traduire automatiquement les tâches en français pour vous permettre de lire, de comprendre. Maintenant, vu que moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer Je vais cliquer sur Login, le temps que ça charge. Bah, ici, je suis déjà connecté. Je vais cliquer sur Login. Voilà, donc ça a rechargé la page de formulaire. Ça, c'est pour vous inscrire, vous remplissez le formulaire. Surtout, c'est un compte par personne. Vous utilisez votre vrai nom, vos vraies informations, comme sur votre carte d'identité. Et sachez que ce que vous allez entrer comme information ne pourra plus être changé plus tard, comme votre nom et votre adresse email. Bon, moi, j'ai déjà un compte. Tout ce que je vais faire, c'est me connecter à nouveau. Login. Et je me connecte. Alors, je vais vous présenter rapidement l'interface. Voilà, ici, vous avez Small Job, la liste des tâches disponibles que vous pouvez faire avec les prix, le coût de chaque tâche. Voilà, voilà les différentes tâches disponibles que vous pouvez faire. Voilà ce que vous gagnez quand vous finissez une tâche. Et voilà, vous pouvez voir ce qui a déjà été fait comme tâche. Maintenant, vous pouvez aussi voir les tâches que vous avez déjà effectuées. Moi, j'en ai fait déjà 33 tâches au total. J'ai déjà gagné 2,5 dollars
Et voilà les tâches qui restent. Vous pouvez voir les tâches, celles qui est marquées en vert, ce sont les tâches qui ont été payées et que le client a été satisfait. Ce qui est rouge, donc ça signifie que la tâche n'a pas été bien effectuée, donc on n'a pas été payé pour ces tâches-là. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, si vous voulez demander le paiement, juste vous allez aller dans Vitro et vous allez demander votre paiement. Il faut avoir un solde minimum de 5 dollars pour faire cela. Voilà. Donc, pour ne pas perdre de temps, moi j'ai déjà choisi une tâche. Donc, vous venez dans Small Job, vous choisissez une tâche. J'ai déjà fait ça pour nous, pour gagner en temps. Voilà, j'ai choisi une tâche. C'est une tâche YouTube. Il s'agit de regarder une vidéo, commenter et souscrire. Voilà. La tâche, elle est payée 0,07 dollars. Maintenant, target country sont les pays concernés, c'est international, mais parfois il y a des pays exclus comme dans ce cas-ci. Vous pouvez voir les pays qui ne sont pas concernés par cette tâche. Si vous êtes dans les pays dans les pays ici, après France, Germanie, donc l'Allemagne, les États-Unis, la Pologne, le Canada, bref, ce qui est écrit là, si vous êtes dans l'un de ces pays, alors la tâche ne vous concerne pas. Si vous venez, vous faites néanmoins malgré la restriction, vous ne serez pas payé tout simplement. Maintenant, voici ce qu'on attend de nous. What is expected from worker? C'est ce qu'on attend de nous sur la tâche. Voici les différentes tâches qui sont listées, ce qu'on doit faire. On doit les exécuter une à une. Ensuite, on a les preuves qu'on demande, ce qui prouve qu'on a fini la tâche. Voilà l'URL de notre chaîne YouTube parce qu'à travers ça, on peut voir notre commentaire. Et on doit s'assurer que notre chaîne est publique. Voilà. Quand vous acceptez le boulot, vous cliquez sur J'accepte ce job. Donc, vous cliquez là, ça va vous ouvrir ce formulaire. À défaut, vous cliquez sur Not Interested. Ce que je vous recommande, c'est de copier ce qu'on vous demande comme preuve et de coller là. Si c'est plus d'une preuve, alors vous faites des espaces et puis vous collez à chaque fois ce qu'on vous a demandé. Alors, on va exécuter. J'ai déjà fait ça en avant, juste je vous montre les étapes. Go to. On va sur cette URL. Voilà, ça nous amène à ce monsieur-là. J'ai déjà. Moi, j'ai déjà lu les vidéos. Donc, ça va nous amener sur ce monsieur-là. Ensuite, on nous demande de regarder la vidéo en entier. Ce que j'ai déjà eu à faire pour gagner en temps. Ensuite, on nous demande de souscrire à la chaîne, donc de nous abonner. J'ai déjà souscrit à la chaîne, je suis déjà abonné. J'ai fait ça aussi en avant. Leave a good comment related to the video. Donc, vous devez laisser un commentaire en rapport avec la vidéo. Ce que j'ai fait, I love this song, the world really touched me. Thanks, bro, and good luck. Voilà, moi j'ai déjà laissé mon commentaire. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que j'ai fait la tâche? Je vais juste copier le lien de ma chaîne YouTube ici. Voilà. Je colle là. Et voilà, rassurez-vous de lire entièrement la vidéo. Voyez un must. Si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi vous dire que YouTube a des paramètres qui permettent de voir qui a regardé la vidéo sur combien de temps. Est-ce que vous avez skippé la vidéo? Donc, vous avez fait avancer la vidéo pour qu'elle passe vite. Voilà. Donc, je vous recommande de lancer la vidéo et de laisser couler les 3 minutes. C'est pas long. Et ensuite, dès que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Dès que c'est fait, ce qu'on fait, c'est juste qu'on va juste confirmer. I confirm that I have completed this task. Donc, je confirme que j'ai terminé la tâche. Je vous recommande toujours de bien relire les différentes tâches, de se rassurer qu'on a réellement suivi toutes les étapes, parce que ça m'a coûté de ne pas faire ça. C'est pourquoi il y a certaines tâches que je n'ai pas été payée, mais je les ai reprises plus tard et j'ai été payée. Voilà, c'est fait. Moi, je valide et je confirme ma tâche. Donc, quand c'est fait, vous allez voir quand je vais actualiser le montant des tâches en attente de paiement va incrémenter. Ici, je suis à 0,22.
Donc, si j'actualise, je vais dans Smojo, ça va actualiser. Vous voyez, je suis déjà à 0,29. Donc, voilà. C'était tout pour Pico Workers, surtout. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour m'encourager à faire encore des vidéos de jobs disponibles sur Internet, surtout pour nous qui sommes en Afrique où les boulots en ligne sont assez limités, les jobs, les business en ligne pour l'Afrique sont pas très récurrents. Donc, quand il y a une opportunité comme celle-ci, voilà, je n'hésite pas à partager. Voilà, merci de liker, merci de commenter pour m'encourager et à bientôt.